Et salut les gars, on se retrouve pour la dernière partie de Mafia. Et coucou mon ami, on est de retour pour la dernière partie avec ma chérie. Pardon, désolé. Vas-y, vas-y, c'est bon. On va continuer, on va tout casser. Maintenant, c'est je sais un peu grâce à Zeus Glitch. Merci pour le spoil. Hein? Tu veux que je te dise ce qui se passe? Putain, il doit trop bien. Et ouais, Mafia trilogie. Ah! Ok, ça marche, on fait ça. Bah, c'est parti. Oh, ouais, c'est vrai, au con, oui, c'est vrai qu'on s'arrête en plein braco. J'avoue, on ouvre le feu. Ok, c'est pas par là. Oh, je peux pas en tuer, hein. Je pense que ça peut pas marcher. Ok, c'est par là. Ta gueule, toi. On s'en fout, on a compris, connard. Rentrez, 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 mangez, yes. Trouver le directeur. Mais ta gueule, toi, je m'en fous de ta vie. Faites-moi ça, champion. Tu viens avec moi. On va au coffre. Je ferai ce que vous voulez. Pas besoin d'être violent. Ouais, tu mets le gazole, hein. Quoi? Je sais pas si c'est vraiment Alexia, par contre, là. Hein. Si elle est debout, là, à l'heure actuelle. Et le plus petit que moi ferme sa gueule s'il veut pas prendre une balle. Bon, pas besoin de le braquer, j'imagine. C'est bon. Tu bouges, en tous les cas, je te fusille. Et ouf ça. Non, c'est moi. Je l'avais dit, c'était sûr. Donc tu lui dis de pas faire de conneries. Ça dépend que de toi. Bah ouais, t'avances. Oh, je vais t'allumer un coup de chevrotine, mon collègue. Tu vas pas kiffer. Allez, avance, tête de bite. Tu ressembles à Alfred dans Batman en plus. Oh, qu'il est lent. On peut se baisser en visant? Même pas. On peut se baisser là, oui. Ok. Est-ce que tout va bien? Le directeur est sympa, il coopère. Tout le monde obéit gentiment. Pas vrai, mon pote? Allez, avance. Vous vous en tirerez pas comme ça. Ça finit toujours mal. J'avoue. Ton cul, tu veux? Si tu veux voir ta fille grandir, tu gardes bien les mains en évidence. Et tu dis au gardien de faire pareil. Ouais, ça va foutre le bordel cette histoire. Pff. Parce qu'en fait, parce que toi, t'as pas vu l'histoire. T'as pas vu la dernière rediff, si? En fait, là, en gros, là, dans le dos de leur. Du Don, qui est, tu vois, le baron de la mafia. Dans leur dos, en fait, ils font un braquage. Oublie pas,
Quand on arrive près, et ils veulent pas leur dire. Ils veulent pas lui dire. Et du coup, ça fout le bordel, laisse tomber. Parce que, ouais, en plus, le baron, lui, fait du trafic de cocaïne, nanana, etc. Enfin, bref, c'est parti en couille fois mille. Tu vas bien lentement poser ton... Putain, je l'avais dit, je sais pas pourquoi. Aïe, Wally Negue. Flash. Ta gueule, toi. Wally Negue. Ok, de toute façon, c'est un jeu d'enfant, cette histoire. C'est moi qui fais la loi. La clé du coffre est sur la table. Ne tuez personne d'autre, pas moi. Pitié. T'avais intérêt de pas jouer le malin, connard. Je t'aurais allumé. C'est de la vie, ça, on s'en fout. Intéressant. Trospectateur. Ouais, les trospectateurs, c'est Tini, Enzo et... Ouais, et toi. Arrête de chialer. N'hésitez pas à aller rader la chaîne de Strike Killers aussi. De Strike Killers. Ça part en couille là. Wesh. Oh, c'est pas du fric que ça. On dirait un sac de frappe. On se tire. Bah, on se tire. Ouais. J'ai une question. C'est qui prend le fric? C'est moi ou c'est lui? Non, c'est lui. Ok, nickel. Bah, moi je me taille. Je sais pas pourquoi. Voilà, il y a trop de tables. Il va falloir tirer. Au bout d'un moment, c'est sûr. Oh, le vol qu'il a pris lui, il a pas kiffé. Je sais pas ce que t'en penses. Aïe. Suivez Poli. Ça va être compliqué que je fasse mieux. C'est moi qui est devant Poli, il me dit suivez Poli. Il me fait passer par un truc frérot, lui laisse tomber. Dégoûté en vrai. Quand Enzo m'a dit ce qui va aller se passer à Poli, j'ai le seum alors que je l'aime trop. Je viens de traverser la porte ou c'est moi? C'est ce qui vient de se passer, on est d'accord. Tu montes, connard, ou tu montes? Ben monte! Il est con ce gars. Oh la vitesse. Ah, on est 4. Salut à la personne qui vient de rejoindre. J'espère que tu vas bien. Wesh alors, il y a du monde là. Wesh. Toutes les voitures de l'époque mon collègue, c'est pas ça. Vraiment pas sur un top top hein. Fais que ça, faire gaffe. Wesh. J'adore les gens. Tu leur dis bonjour, nanana, nanana, et ils font quoi? Ils se barrent. Bah, c'est pas grave. Le principal, c'est que bon, ça plaise à des gens et que au moins, je kiffe. Eux, par contre, ils vont pas kiffer ce qui va suivre. Voilà, ça c'est fait déjà. Hop, ciao, à demain. Je sais pas combien de voitures je vais niquer là, mais... Ouais, trouvez-moi, ouais. Je sais pas. Ah, je t'ai dit, moi sur mes lives ça parle pas beaucoup, ils sont... Dodo. En même temps, frère, vu comment je le fais tard... J'ai envie de te dire, c'est un peu logique. Il est vite pour l'instant. Vu qu'il est pas au courant, il risque rien. En même temps, voilà, je pouvais pas trop le faire plus tôt. Mais en tout cas, non, au pire des cas, il y a la rediff, donc je m'en fous. Des gens viendront le voir, ou le principal, c'est que ça plaise à quelqu'un. Et que je kiffe. C'est ça le principal, surtout. Et puis, Enzo, je pense pas qu'il dort. Quoique. Ça me va pas si mal la barbichette.
Quand t'entends de la radio, dis-moi de la couper par contre. Je mange des droits d'auteur à cause de ça. C'est pas une blague. Juste pour une vieille musique des années 60. On a presque réussi. Tout est dans le presque. On aura vraiment réussi quand mon cœur aura retrouvé un rythme normal. Alors quoi, en fait, je crois que tout le monde dort. Je me suis chié un peu où il fallait tourner là. Non, j'apprends à utiliser le clavier. Ah bah voilà. Tu es né, il est pas mort. Il n'y en a qu'une qui est morte sur deux. C'est du action quoi. J'avoue. Bah il descend lui ou il descend. Ah d'accord, ok. J'avoue qu'après, ouais, c'est action, mec. Hein. Ça va partir en couille là, putain. Tu sais qu'on là, on est à deux chapitres de. Du grand final. On a réussi. Putain, je le crois pas, on a réussi. 4 personnes. Salut à toi, celui qui vient de rejoindre. Ouais. Allez, on avance ça. Ouais. Faut qu'on y aille. On se voit demain. Sauf si je suis déjà à Hawaï. Allez. Je déconne. Sans toi, j'y serais pas arrivé, j'en suis sûr. Rentre chez toi. Fais la fête avec Sarah. Viens chez moi. Oh là. Oh. Oh là, tu parles franco. Fais gaffe. Oh là, señorita. À plus tard. De la mama. Hop, la française. Ah bah, française. Franseco. Hey, c'est Zeus. Abonne-toi, Zeus Glitch. Je vois non plus. Je crois que je suis au dernier chapitre là. Si je me trompe pas. Ouais, get l'écran. Le truc de chargement là-haut. Deux spectateurs. C'est toi qui as planté? Super, j'adore. Quelqu'un s'est barré. Je dois garder trois spectateurs tout le long. La mort de l'art. On est à la fin. C'est le dernier chapitre. Je crois. Regardez qui voilà. Jésus est finalement ressuscité. Je pense que nous, en blan, espagnol, jéré. Waouh, pensez que nous. J'ai eu du mal à m'endormir, c'est tout. No. Ouais, moi aussi. Yes. Vu que t'arrêtais pas de tourner et de retourner. Ça veut dire que c'est Enzo et le. Ça veut dire que c'était Enzo et Tini qui viennent de quitter là. Si c'est. Moi, parler français. Toi, parler. Qu'est-ce qui te prend? Abonne-toi. Moi, beaucoup t'aimé. Ça, tu peux le dire, champion. Oh ouais, champion. J'étais en train de réfléchir. Ah ouais? Ah bah ça, c'est nouveau. Non, je réfléchissais et j'irais bien à la mer avec toi et la petite. T'es sérieux? Et ton boulot? Polly et moi, on a trouvé un tuyau. Bah ça va très bien et toi? Finalement donné quelque chose. Et ok, c'est bon, j'ai compris. Ouais, on peut dire ça. Ça va bien. Yes. Je prépare les affaires. Nickel, ça va très bien. Je suis Polly et je reviens vous chercher. Qu'est-ce que tu me Je suis trop content. Tommy. Je me suis fait quelqu'un. Hein bien et toi? C'est ça. Toi et j'adore, ça parle de mon live. Je suis trop content. Je rigole, en fait, c'est Enzo qui a fait venir en espagnol. Il me sort. Mais en fait, c'est mon collègue. Il habite à Madrid. Ah ouais. C'est pas ça. Personne sait parler espagnol par hasard ici. Non, moi je fais rien. Même quand t'es immobile. Ouais, y a un truc qui te rend nerveux. Mais le pire, c'est que tu sais pas encore ce que c'est. Ouais, ça doit être ça. Ça pue du cul pour Tommy. Simi habla espagnol. Ferait bien de trouver ce que c'est avant d'arriver chez Polly. Surtout si c'est lui qui te rend nerveux comme ça. Mais il est sur Google Traduction quoi. Non, c'est pas Polly. T'en fais pas pour ça. Bon, alors à tout à l'heure. Putain, ça pue là, vraiment là. Non, même pas connard. Là, en vrai, ça pue vraiment. Là, on va passer dans un moment où ça pue vraiment. Retrouver Polly. Oh, il est mort. Obligé, on retrouve. Hein? Mais c'est lui qui parle en plus. J'adore, lui, il est bien placé pour parler. La radio, tu peux me le dire dès que je monte dans la voiture. C'est Enzo qui me le dit toujours là. Heureusement qu'il était là. Hein? Redis ça une fois, tu verras. Je sais pas pourquoi, je pense que Polly là dans l'appartement. Inch'Allah. Comme on sait que c'est le cas déjà. Après, si tu veux, dans la vraie vie aussi, hein, je suis d'accord. Hein. On dira ta gueule. Polly est peut être décédé.
Ah, peut-être décédé. Mais c'est même sûr, c'est sûr et certain. Là, je suis sûr que je vais à l'appart. Mort. Il spoil, hein. Après, il parle. Ne spoilez pas, Alexia. Je fais la même. Là, j'ai pas forcé. Il m'a spoil. Je lui dis, vas-y, dis-moi. Il m'a dit direct. Tu conduis comme ma grand-mère. Ah, bah putain, elle conduit vite ta grand-mère quand même. Maman. Je suis à combien? Putain, je suis à 100 là! Je pète dans tout. Je veux que je pète dans ta. Pardon. Faut arrêter les insultes. Comme ça? Putain, frère, va vite cette voiture. Je suis pas habitué à des voitures rapides comme ça. De base, on va à 20. Non, mais où? Yay. À une heure près, j'étais le frère de Gouloum. Yay. Tiens. Je viens de faire ça en live, j'ai pas rêvé. Hein. Au moins, on dirait que la partie 6 elle était incroyable. Ah putain! Eh ben, tourne! Putain, elle tourne même pas. Hein. J'ai le joystick à fond tourné. La voiture va tout droit. Le frère, on peut pas dire que c'est la manette qui est morte. Hein, parce que là, c'est inquiétant. Non? J'adore. Pour une fois, je suis avec quelqu'un. De base, d'habitude, je me sens un peu solo. Et lui, il est mort. Hein. C'est même sûr et certain à 200%. Tu sens? Tu le sens ou pas? Ce quartier part complètement en couille. Bon bah. Je bosse de nuit en ce moment. Le type du dessus a fait un boucan pas possible. Ouais, encore. Attends, chut. T'as entendu? Ah ouais, ouais, la version originale, elle était très très compliquée. De ce que j'ai compris, ouais, ouais. En plus ça date. Bah, c'est Just Glitch qui me l'a dit, mais très compliqué. Bah après j'ai vu des vidéos aussi. Ouais, j'ai peur. Oli. Oh non, non. Oh non. Poli. Oh la blague de merde. T'as entendu Marine ce qu'elle a dit? On peut dire qu'il était poli? Oh là là, ta gueule. Putain non, en vrai ça casse les couilles. Vraiment poli au début je l'aimais pas dans le jeu. Et au fur et à mesure, je préférais lui que Sam. Vraiment. Ta gueule, Marine. Ta gueule, Marine. Que. Ça marche. Attends, attends. Là, ça devient intéressant quand même. Oh putain. Et dire qu'au début du jeu, tu sauves Sam. Ouais, ouais, carrément, putain. Au début du jeu, en fait, t'as envie de le laisser crever, ce mec. Putain, tu le sauves et tout. Oh. Arrête de rigoler, on a compris, connasse, ta blague de merde. Sam. Poli. Sam. C'est moi. Cet homme. Et Poli, il est où? Il est mort. Il est. Il est mort. Il est devant moi, étalé dans. Deux balles dans le crâne. Maintenant, dans le remake, la mort de Poli semble plus réaliste. Ah, mais oui. Et là, c'est sûr, ah oui, de suite. Le prévenir de quoi, Sam? Salieri, il est au courant pour le hold-up. Oh putain. T'es dans la merde, Tom. Il faut que tu mettes les voiles. D'accord. Ok. Je vais avoir besoin de fric pour foutre le camp avec les filles. Tu pourras me dépanner? Bien sûr. Tout ce que tu veux. Est-ce que tu veux que je vienne chez Poli? Non. Non, je peux pas attendre ici. Ah oui. Tu sais, ça pue. On peut se retrouver au musée. Bon, d'accord. Ah ouais, laisse tomber au musée, yo. Oh putain, il va crever aussi. Pouah, je te jure, il meurt, Tommy. Oh, si c'est ça. Pouah, je suis dégoûté. Il m'a dit c'était un trait de Sam. Il est en train de lui dire d'aller là-bas. Il va se prendre deux balles, lui aussi. Si c'est ça, ça veut dire que je me suis accroché pendant 6 heures de jeu à des mecs qui crèvent. Ah, mais c'est génial. Merci Rockstar, on vous aime. Nick, t'es mort, Touquet. Banni. Faut que j'y aille. Je suis désolé. Putain. Ah ouais, je suis trop émotif en plus dans les jeux. Je te jure, ça me rend triste. Putain. Ça rend fou, putain. En fait, mec, c'est le fait de mourir. C'est comment il meurt qui le tue. Ouais, ouais, c'est ça en fait. C'est je sais pas. Il y a tout qui joue en fait.
C'est bizarre. Ben voilà, Polly est mort. Ah, en fait, dans les jeux, j'ai l'impression qu'ils font plus partie de ma famille que ma propre famille. C'est pas une blague, y'a pas de blague. Ils font plus partie que ma propre famille, frère. Je m'accroche plus à eux que ma famille à moi. Et tu vois, là, mon collègue. Et c'est reparti, mon kiki. Pourquoi tu rigoles en fait? Elle rigole vraiment tout seul. Tu vas vriller à la fin et attendre de commencer le 2, tu vas péter un plomb. Ah, hashtag spoiler, donc ceux qui savent pas, hein. Non, mais en vrai, ouais, j'imagine bien le 1, je vais serrer, c'est sûr. C'est sûr, je m'imagine déjà la fin là. Il est dans le musée, je sais pas où je vais. T'as qu'à bouger ton cul, connard. Alors moi, je croyais que les escaliers c'était fait pour se mettre dessus. Hein. Je croyais que c'était une place de parking au début. Pourquoi il casse pas la porte là dans ces cas-là? MDF. MDR. Oh, il faut savoir, MDF ou MDR? Tu sais, ça pue. Bouge pas, Tom. Oh là 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 là. Pouah. Et voilà le coup foireux. Salut, Tom. Sam. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Oh, toi et Polly, vous m'avez mis dans une position merdique. Je sais, Sam. J'en suis vraiment désolé, mais faut que je me tire de la ville. Tu vas m'aider ou pas? Et voilà, ça recommence. Tu me demandes de choisir entre mes potes et la famille. C'est ça que tu cherchais à l'appartement de Polly. C'est ta part. C'est plus que généreux. Ça. Tu l'as buté. T'as tué Polly? Non. Ce con de Polly s'est fait tuer. Et ça a vraiment l'air de te foutre en l'air. Je suis de bonne humeur, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Les choses se présentent bien entre moi et le Don. Je prends du galon. Et en plus, je viens de trouver un sac plein de fric. J'ai envie de le buter, ce fils de pute. Le Don est au courant pour Franck. Et pour la pute aussi. Oh putain. La pute. La fille pour qui t'avais un faible. C'est toi qui l'as laissé vivre. Putain, il a tout pourquoi en fait. Je dois te dire que je suis désolé pour tout ça. C'est lui qui... Mais dans notre business, il y a des... J'avoue, oh, en plus c'est lui qui te demande de la laisser et tout. C'est vraiment dommage. Don Salieri. Il t'aimait beaucoup. On va beaucoup chialer, lui et moi, à tes funérailles. En obéissant au Don, tu crois que t'es loyal. Mais tu l'es pas. T'as juste peur. Peut-être. Mais t'aurais vécu bien plus longtemps, Tom, si t'avais pensé à regarder derrière toi de temps en temps. J'avoue que je suis à deux doigts, là. Je vais sortir le flingue, je vais mettre dans la bouche. Adieu. Elle va traverser sa gorge, là, le truc. Le faites pas souffrir, les gars. C'est mon pote. Fils de chien. Oh, belle. Bien joué, Tommy. Pouah. Laisse-moi deviner. Ah ouais? Bonne chance. Venez mettre une balle, mon de connard. Nique tout le monde. Oui, comment tu sais? Il y a quelqu'un qui arrive ou il y a quelqu'un? Je pisse dessus. Conversation au bar. Espèce d'enfoiré moraliste. Tu baisses. C'est bien avec un clôt, Tom.
truc, c'est que j'ai pas envie de me prendre une balle là. Je sais, je passe ici, je me prends une sale balle. Après, je suis avec quelqu'un. Ah, mais il est par. Ah, bah non, c'est bon en fait. Aïe, c'est pas bon du tout. Wesh. Tu crois quoi? Tu crois que c'est ici qu'on bouge chez ton père? On va arrêter de rigoler, c'est bon. Aïe. Je vais crever. Réaliste ce jeu. Ah ben ça va mieux. Aïe. Qui vient jeter un cocktail là? Le mec qui vient de buter son propre collègue ou c'est moi? Wesh. Oh, la sale balle que j'ai pris a été violente. Wesh. Il fait mal hein Sam. Si tu me faisais gagner un peu de temps hein, rends-toi, c'est fini. Je vais crever, on est d'accord hein. Tiens un mec là. Non, il y en a deux. Wesh. Je t'emmerde, connard. Tu fais la même chose pour moi, Don. Qu'est-ce que je raconte? Je sais que t'as fait la même chose. Putain, il me fait peur de la vie, cet enculé. Bon, arrêtez de rigoler, les gars. Pédé, va. Pour moi, je vais tirer une balle. Aïe, aïe. Salieri, il nous a tous roulés. Oui. C'est galère là. Bonjour, des Cujadas. Pisse dessus, toi. Normal, tu fais que parler. Ta gueule, tu parles pas. Non, je déconne. J'ai fait de la merde. Au brand, c'est comme Batman Begin et Mafia. C'est pareil. Hein. L'écran de chargement, quand tu t'es buté, c'est...
Tout ça pour voir quoi? Un mec avec une arme. Ouais, c'est bien, c'est Greg. Oh, en plus, get où ils te font reprendre, ces connards. Hein. Ils te font prendre. Tiens, qui est loin? Ah non, ça va. PD. Oh, du carpaccio! J'avoue, ouais, il faut recommencer. Bref, c'est pas grave. Faut bien. Hein. Ok, on peut pas passer par là. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Non, maintenant. Wesh. Wally Negue. Oh la balle qu'il a pris lui. Ouais mec, je t'ai vu. Tu m'as dit allez tout, lance-roquette. J'ai pas de lance-roquette. Avec le trafic de drogue, c'est qu'on peut se payer plein de types. Butez-le les gars. Encore? Pas encore assez? C'était de l'humour, laisse tomber. J'aimerais, hein. Mais j'ai compris mec. Je sais. Lance-roquette, bâtard, tu fumes. Il prend un recul avec ses pompes, frère. C'est pas des pompes à ce niveau-là. Viens. Oh, ça brûle. Hein. Ta gueule, toi. Ok. Merde. J'avoue, Sam il commence à me rendre fou. Je vais le tuer en fait, c'est ça qui est cool par contre. J'espère que je vais le tuer. Aïe! Pourquoi il continue à tirer ce guignol? Je suis mort. Il tire. Ah, c'est bon, arrête-toi frérot. Oh, je suis par terre. Ça sert à quoi de tirer plus? Coder avec le cul. Ah ouais, c'est tombé lui. Oh, arrête-toi mec, c'est fini. Non, vous avez pas compris. Eh ben, va te faire enculer. Avec le pistolet, peut-être ça sera mieux de tirer de loin de là. Sur sa gueule à lui là. On dirait mes flics, les flics de GTA. Je suis revenu, que je suis perdu, que se passe-t-il? Je vis en Amérique latine, qui a internet lent. Ah, il s'est passé que ben, j'arrive pas à la mission. Je galère toujours autant. Putain, il balance des grenades ce connard en plus. Ça y est, c'est bon, c'est fini. Oh, il me rend fou là, ça y est. C'est bon, il est mort. Moi aussi je galère, mais c'est kiffant de le tuer. Oh ouais. T'as aussi t'as galéré, bah franchement c'est kiffant ouais. Maintenant le donne la pour Polly au moins. Jusqu'à la fin de ta putain de vie. Mais si tu me laisses vivre, je dirais à Salieri que t'es mort. Tu pourras disparaître. Comme Franck. T'es comment il a peur? Seulement, tu feras pas comme lui, tu resteras planqué. D'accord? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il se planquait en Europe. Mais ce crétin, il a commencé à cette scène dans est épique. De livrier. Ah. Ah, bah après, ouais, c'est vrai que moi, c'est une première, donc je découvre le jeu. Et donc, Salieri. Il a envoyé une équipe. Bon appétit. Et sa famille. Putain. Je pense faire l'original pour voir. Oh putain, ça serait bien. Comme ça, je pourrais voir l'original à quoi ressemblait. C'est une idée en vrai. Pouf. Oh, si c'est moi qui appuie sur R2, je dis oui de suite. Hein. Tu veux pas le tuer? Hein? T'y arrives pas.
Mais non, il pique un peu les yeux. Mon premier jeu, c'est Watch Dogs. Une voix qui ressemble à celle de ta fille. Moi aussi, mon premier jeu, c'est Watch Dogs. Ça. Oh, si on a le choix entre le buter ou le laisser en vie, je le tuerai une balle dans la tête. Si t'inquiète, il va tirer. Oh oui, oui. Tu parles en foire et moi je l'entends cette petite voix. Ah, on se sera bien marré quand même. Tu te souviens de la voix? Moi, toi et Polly. Oh, il a dit Polly, lui a tiré une balle. Dodo. Wesh! Boum boum boum! Oh, il a tiré, wow! Là, au moins, on est sûr, il est mort, il n'y a pas de peut-être, il revit pas! Je rigole, il revient avec la tête coupée. Bonjour, c'est moi! Ouais! Génial, j'adore. Je valide. La mort de Polly m'a fait chier. Faut tirer deux fois pour être sûr. Je comprends bien ta situation et. Ah, et du coup, on en revient là. Je peux rien faire si t'es pas prêt à témoigner devant le juge. Tu comprends ce que je veux te dire? Faudra que tu sois assis dans le box à regarder droit dans les yeux Salieri, Ralphie, Vinnie, et peut-être même le père de Sarah. Je pense pas que tu sois prêt à faire ça en toute honnêteté. Je ferai le nécessaire. Il faut que vous donniez à ma famille de nouvelles identités et qu'ils partent très loin d'ici. Oh, attends, c'est pas parce qu'on a papoté ici, toi et moi, qu'on peut mettre Sarah à l'abri en un claquement de doigts. Alors je suis désolé de t'avoir fait perdre ton temps et le mien. Faut que je disparaisse. Tom, attends. Moi aussi, j'ai une famille. Une femme et quatre gosses. Ah, il s'appelle Norman. Pardon, désolé. Toute une portée. Ouais. Donc je comprends parfaitement ta situation. Je sais, tu te ronges les sangs pour eux. T'as peur que l'un d'entre eux crève avant toi. Mais cette affaire, ce sera sûrement le coup de filet du siècle, c'est du jamais vu. Ça pourrait s'étaler sur des années, et je sais pas si je peux vous protéger aussi longtemps. Tu sais comment ça se passe en ville. Faut bien bouffer, pas vrai? Même les flics ripoux. Ah oui, c'est sûr, ouais. N'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de live sur Mafia. Et n'hésite pas à t'abonner aussi à The Glitch, aussi à Stray Killers. Stray Killers, faire des lives avec moi peut-être prochainement. Et te garder en vie et pas. Et The Glitch aussi d'ailleurs, s'il est chaud, bien sûr. Je vais essayer. En tout cas, on donne de la force à tout le monde et voilà, ça fait plaisir. Ton petit discours. Et partager aussi. MDR un jour peut-être. Rien à gagner dans l'affaire. De qui? C'est toute ta carrière qui se joue. Pour Marine. Ah. Quel que soit il t'aime pas, Enzo, je remarque. Que je vive ou pas. Toi, tu seras le flic qui a bouclé l'affaire Morello et coincé un Don. Salieri sera ton trophée. Tu connais ton live là que tu me connais, Tom. Ça, c'est pas beaucoup. Hein. Là, ça fera une heure. Salieri mérite de croupir en tôle et je veux bien t'aider tant que tu m'aides à le foutre à l'ombre. Oui, mais si ça s'arrête là. Ah oui, Salieri. Là, oui, si elle est avec moi, ça va. Bon, t'es la meilleure. Dans ce cas, on y va. On y va où? Ah, allez, c'est parti, on y va, dans mon cul. Allez, épilogue. Ça se sent la fin, ça. La fin du fin. C'est trop... Mais c'est Tommy? Il y a bien longtemps, dans une autre vie, quelqu'un m'a dit un jour que la famille, c'est un talon d'Achille. Oh. Le point faible d'un homme. Il avait peut-être raison. Parce que tout ce que j'ai fait dans ma vie, en bien comme en mal, putain, je l'ai fait pour ma famille. J'ai trahi des gens que je pensais être mes amis. J'ai honoré des promesses très dures à tenir. J'ai passé 8 ans à être seul.
Oh, la fin, elle est trop magique. J'ai essayé de trouver pour qu'à mon retour, je sois... Je vois ça, ouais, mec. Il a fait de la tôle, ouais, pendant 8 ans. Un meilleur père. Un homme meilleur. J'adore quand même. Maintenant que je suis plus âgé et un petit peu plus sage, je comprends que... Dans la version originale, les enfants n'étaient pas vus. Ah! C'est notre plus grande faiblesse. Ah ben, ouais, ils ont dû un peu, ils ont dû un peu l'améliorer. C'est notre plus grande force. De toute façon, si Zeus Glitch le fait, l'original, je le regarderai, je verrai directement. Je pense qu'il y a beaucoup de changements. C'est elle qui nous fait rêver, même quand ses rêves sont insaisissables. Et c'est elle qui nous permet de tenir bon quand on n'arrive plus à avancer. Monsieur Angelo ? Oui ? Monsieur Salieri vous envoie ses amitiés. Mais non, 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 non! Tommy! Oh non! Ça va aller. Le perso qui te tue, c'est celui du 2 que tu vas contrôler. Oh bah je veux pas le contrôler. Vous êtes tous... Ah, tu contrôles un mec de Salieri dans le 2? Boah, ouais. Oh ouais, j'ai capté. En fait, tu passes dans l'autre clan. Non, Salieri. Non, non, tu restes dans le même clan. Non, non, je suis con. Mes meilleurs amis. Oui, Salieri, non, c'est Morello l'autre. Mais la famille. La famille, c'est pour l'éternité. C'est incroyable. En tout cas, j'ai kiffé le faire. Mais c'est incroyable la fin. Ah, en fait, ouais, ils ont été malins. Genre, ils ont mis. Le mec de Mafia 2 qui tue le mec de Mafia 1, pas mal. Le 2 se passe même pas dans la même ville. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, ok, mais en tout cas, on redécouvrira tout ça en live. Quand vous voulez, enfin, quand vous voulez, non. Je le déciderai. Je mettrai d'ailleurs un planning. Je t'explique sur Snap. Ok, bah vas-y, pas de problème. En tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé le live. Enfin, on verra, ouais. Mais en tout cas, ouais, merci à tous ceux qui ont regardé le live. Donnez de la force à Zeus Glitch, Street Killers, Tini. Merci à tous ceux qui regardent. N'oubliez pas de follow, abonnez-vous. C'est pareil. Parlez entre vous, discutez, blablabla. Bisous à toi. Et merci à tous. Tchuss.